YouTube, opération minage. Vous allez voir, ça va très bien se passer. J'arrive. YouTube, on va se faire refaire le... Mais non, n'écoutez pas Arthur, tout va très bien se passer. Jour 600, on avance, doucement, mais on avance. C'est beau l'optimisme. On a progressé de 2 mètres sur la plage. Ouais. Je trouve qu'on a incroyablement progressé par rapport à la dernière fois, hein. Pardon du peu, hein. Bon, maintenant, alors, vous signez, vous adhérez à la secte, vous cassez, parce que moi, j'ai eu paix spirituelle. Ça va très bien se passer. Merci beaucoup, Rémi Unique, pour ton 46e mois, merci pour ton soutien. Pour dire merci. Visage content. Ça doit être Explo 2. C'est le 3. Ah, fallait aller à Explo 2. Merci encore, Rémi Unique. Non, pour Monsieur Squeak, j'ai regardé sur la carte. Le soutien depuis tellement longtemps. Là où on a les chances, c'est marqué Explo 2. Ah, si j'avais été moins fort, j'aurais dit. Oula, qu'est-ce qu'il y a dans l'eau, là? Ah oui, d'accord, ok. Bah, est-ce qu'il y a en haut une cochonnerie? Qu'est-ce que tu veux que ça soit? Ah. On peut le taper, non? Je me suis planté dans mes mains. Ah, mais là, c'est du flax. Oh, bah. Alors, ne reste pas trop les pieds dans l'eau, Jack. Ah bon? Bah, je le touche, là, c'est une blague. À terme, ça brûle. Ça brûle fort. Hein. Pardon, monsieur Mann. Je reviens. On va pas mourir, j'ai monsieur. Il faut faire un portail, c'est un peu dommage. J'ai envie que ça aurait été utile. Tout ça pour ramener deux de fer, c'est ça? Oui. Ah putain, j'adore la vie de merde. Alors, si un jour vous découvrez les Ashlands, partez avec deux morceaux de fer. C'est ça, c'est deux, hein, en plus. Ouais. C'est vraiment le truc humiliant, quoi. Tu viens, Jack? Blob. Il va péter. Attendez, je vais le faire péter. Pas deux fois. On me l'a fait pas deux fois, moi. Monsieur Mann, vous n'avez pas de cap, c'est normal? Bah ouais, elle est dans l'eau. Ah. J'arrive, monsieur Mann, hein. Je finis juste un truc. Alors attends, le truc de fer qu'on avait repéré était vers le haut. Enfin, vers le rayon vert. Pas vers le rayon vert, on était parti vers l'arche qui se trouve entre la structure des nains et là. Je m'en souviens, c'est là que j'ai croisé les chiens. Merde. Ah, et il y a le Morgan est toujours là. J'essaierai bien de l'attirer tout seul. Alors attends, bouclier. Ou alors on va faire les squelettes avant. Monsieur le squelette, venez, en plus vous avez combien d'étoiles? Jack derrière moi, s'il te plaît. S'il te plaît. Quoi? Oh, c'est bon. Ah ben voilà, il aborde. Il a... Attention, il arrive le machin qui fait de la toupie. Je suis là, monsieur Mann. Il y a du monde, t'as plus de bouclier, j'arrive. Non, recule. C'est bon, t'as le bouclier. Vas-y, recule maintenant, cours maintenant. Cours, repars. Je repars. En plus, là, Arthur, attention. Ah oui. Oh, puis le recovery sur la... Oh la vache. Non, va taper quelqu'un d'autre. Ouais, heureusement, on a groupé à cette place. Oh mais l'endu c'est attention, tellement l'horreur. Il risque de frapper le portail. Jack, bouclier, Jack. Non. Tu l'as eu? Non, je crois pas. Oh. Ouf. Oh Arthur. Attends. Oh putain, il y a le squelette derrière, attention. Oh, il y a encore un milliard de marksman qui nous arrive dessus là. Blob. Et un warrior avec une étoile. Ok, parfait. Bon, maintenant, alors vous signez, vous adhérez à la secte, vous vous cassez parce que moi j'ai eu paix spiritique sur la plage. On va l'avoir. Je me suis mis à l'abri, mais le mode ignore la gravité en fait. Il est mort. Attention, princesse! Cours. Oh, bâtard. On meurt! Oh oui! Oh la transpiration! Putain, mais ça n'en finit jamais! Oui, le Morgan est mort, mais bon, on est pas sorti d'affaire pour autant. Allez, l'endu là, bordel de merde! Jack, merci.
Et fais gaffe à ta vie, il va te planquer. J'ai une recette pour un nouveau bâton. J'ai une recette pour un nouveau bâton. Oh, t'as récupéré ça sur le Worgen ? Je crois. Attends, y'a un Malphys qui est en cas des soucis là. Toustit, ça s'appelle. Jack Play, Malphys, bouclier. Attention, merci. Il attaque. Mais t'approches pas comme ça pendant qu'il met un coup de. C'était un étoilé. Bon, on va y arriver à la. On va aller jeter notre bombe. Profitons-en pendant que c'est calme. Putain, on avance pas. Hein. On avance tellement pas. Ah, puis ça, faut que je le jette là. Si, il l'a eu, je crois, mais il est pas resté longtemps. Ah. Il a explosé direct. Ouais, je me suis pris un taquet. C'est bon, on y est. Ouais. On y est. Oh, puis y'a personne, attends, vite, profitons-en. Attends, on va passer par l'autre côté. Attends. C'est, du coup, oui, d'accord, il est là. Il est juste à gauche, ok. Ça marche. Non, c'est. Vaut mieux y aller par là, oui, je pense. Oui. Attention, y'a un chien là-bas. Mais de ce côté, y'a une plateforme. Y'a un squelette qui arrive sur toi. Qui n'est pas. Moi, y'a deux chiens plus haut que nous. Ah oui. J'attends qu'il n'est pas dans la lave. Qui nous permettrait de nous tromper. Tu veux aller faire ? Alors le problème avec la magie de princesse, c'est qu'elle est très pratique, mais c'est qu'on voit rien. C'est vrai, je suis désolé. J'admets que par contre, moi j'ai Yagulut, hein, j'ai pas de... Ah oui, on peut y aller par là. Aussi. Ah attends, je vais jeter des bombes. Alors t'es prête ? Je vais l'acheter là. Il y a un archer avec eux. Yes, parfait. Ouais. Ah mais... Oh, faut pas qu'on gêne. Ouais. Ok, j'y suis. Ouais, magnifique. Ouais, une seule ça suffisait. Ah, j'ai une pioche, oui c'est bon. Ah mais attends, j'ai pas de place. Attends, j'ai des trucs hein. File-moi des trucs. Attention, moi de pizza. Non mais c'est du bois, c'est des conneries. Non mais pousse pas dans la lave s'il te plaît. C'est quoi ce bruit? Pourquoi ça tremble? Je regarde. On l'a eu. Je pense que c'est la lave qui s'affole un peu. Ok. On est safe. Ça monte. GG, ma fils. Princesse, ça descend, ça descend. J'arrive. Ça descend. Sors. Sors, ça descend. Le Vite, viens, princesse. Tu veux mettre une plateforme? Oui. Vite, saute. Voilà. Oh, ça descend. Regarde. Mais on va perdre. Lentement. On a perdu le rocher, monsieur Mann. Il s'est enfoncé dans la lave. On est désolé. On en a pas fait exprès. Est-ce que vous avez pu récupérer les trucs? Bah, attention, Malphys, j'ai 7 flammes métal. J'en ai 9. On s'est fait tellement baiser. Mais c'est nul! On s'est tellement fait baiser! Ah putain! Ils ont craqué les derbes! Ah putain, on a failli crever! Ils sont complètement craqués, pourquoi ils font ça? Attention, il y a Malphys qui a besoin d'un coup de main. Ah non, c'est Arthur! Ah, c'est Arthur qui est derrière. Donc, tout va bien. J'arrive pas à y croire. Petit j'ai bâtard. Envie de les oh, qu'est-ce que j'ai raté? On a miné avec Princesse le rocher et il s'est enfoncé dans la lave. Ils ont repris le principe des tortues qui sont. Mais les tortues, t'as le temps de tout miner avant que la tortue. Ah bah là, non. Là, on a miné peut-être un 15ème de la roche. C'est bon, on a un nain qui est en train de. Les nains sont en train de se battre. Arthur, tu les gênes. Tu les tapes. Quelqu'un peut mettre un portail là où je suis à peu près. Il va faire nuit. Mais où? Ah non, Jack, on vient de dormir. C'est pas possible. T'es sûr? Bah, on vient de dormir, on vient d'arriver. Par terre, je pense que c'est pas mal. Attends, on rejoint Monsieur Mann. La journée dure pas trop. Parce que là, si on part tout droit, on a peut-être une chance. Ah, moi, je suis angoissé par la nuit, moi, dans ce jeu. Un portail ou un établi, un établi. J'arrive. Salut, Dolcarion, comment ça va? Bon, bah, faut trouver un. Ça ressemble à la tortue, ouais. Ouais, ça ressemble à la tortue, hein. Du coup, j'ai 7 ouais, j'ai 7 minerais. On va mettre mieux que 5. Peut-être falloir le pousser, hein, parce que je peux pas le mettre mieux. Du coup... Attends, je vais aller poser dans le coffre le flamétal. Lit en cendre bois. Yeah, on se attaque, on se fait directement agresser. Hein. Oh. Attendez, j'arrive. Bon, on peut pas le taper parce qu'il est derrière là. C'est quoi en qui fait, tape dedans? Faut le flécher. Ouais, faut c'est le flécher. Oh putain, les vautours, ouais. Ils sont tellement relous. Je vais éviter de mettre des boules de feu dessus. Hop, il attaque.
Mais je vais me faire défoncer surtout. Oui. On peut encore réparer le bateau. Il est parti. Il y a plus de crafting station. Et c'est quoi votre projet là en fait? Récupérer le matériel qu'on a laissé tomber. Et vous pouvez me pinguer là où il est? Il est pas genre par là. Oh boy. Attends quoi? J'ai pas vu ton ping. Ok. Ah ouais, d'accord. Ah, moi j'étais mort. Moi j'étais pas mort. Pas mal, hein. J'étais pas mort aussi loin, moi. Le tour qui nous aide. On les accompagne, princesse, pour les aider? Moi je peux pas, je vais faire plus de mal que de bien au bateau. T'as pas un arc? Bah j'allais dire, princesse, avec ta DCA de glace, peut-être que ça passe. Mais... Ouais, mais pas quand ils sont dedans, mais quand ils sont loin. Ouais, pour les empêcher d'approcher, c'est pas... Ouais, ça me paraît une bonne idée. Je vais aider, j'ai des flèches, j'ai tout ce qu'il faut. En espérant que je tombe pas à l'eau, cette fois encore. On va pas laisser princesse toute seule sur le rivage, si? Bah elle peut rentrer à la base, hein. On laisse pas bébé tout seul. Je vais encore faire chier, ne tapez pas aux armes. Voilà, on peut, j'ai mis un, on peut réparer le bateau. Faites-vous plaisir. Il est mort. J'ai pris du bois. Salut Hobart. Ouais, coucou Mekadob, hein. Comment ça va? Oh, de toute façon t'allais pas mettre un gros vol. Oui. Donc, princesse, dès que tu vois quelque chose, tu l'atomises avant qu'il approche. Je t'interpelle sur le fait que tu viens de recevoir un sub de niveau 3, attends. Mais oui, Red Wolf. Oh putain. Il y aura des vautours sur la gauche. Merci beaucoup Red Wolf. Oh, le sub de niveau 3, et merci à toi. Hein. Bah, excuse-moi, j'avais pas vu, on était un peu absorbé. En grand merci à toi, et sub niveau 3, je crois que c'est la première fois. C'est incroyable. Je crois que c'est la première fois, bah merci, merci beaucoup. Merci beaucoup Red Wolf. J'ai vu sur ISM, je m'incruste, vas-y hein. Sachant qu'on avait deux serpents sur le dos, évidemment. Hein. Oui, sinon c'est pas drôle. Je crois qu'il y a une tempête pour bien faire. Je vois, je vois des tons droit devant. Ouais, je les vois aussi. Oui, c'est un sacré endroit. Sur la droite, en visage. Je le surveille, pour l'instant, il nous ignore. Ouais, je vois ça. Serpent. De côté. Sur la gauche. Côté gauche et de l'autre côté des cailloux. Ok, bon, on surveille. L'autre gauche? Quelle gauche? Ici, on peut récupérer des trucs. Et vous pouvez poser un... Vous pouvez poser un établi aussi. Ouais, j'en ai fait un. Ah, c'est qu'il faut que je fasse le tout. Alors là, il y a Monsieur Man. Moi, je sais pas où je suis. J'aimerais pas là-bas. Ok, je crois que j'ai tout récupéré. Oh, mais quel cauchemar! Ah, on a le... On a notre ami qui arrive. Dépêche-toi de remonter Arthur. Mais je sais pas où est ma pierre tombale. J'arrive même pas à mettre sur le bord, ça y est. La vois ta pierre tombale, elle est Moi je la vois pas, c'est ça le souci. Ah putain, tu peux prendre, on monte. Y'a le dragon. Ouais. Cauchemardesque. Je vois ta pierre tombale, ma fille. Ça vous laisse. Fais gaffe, princesse. Tu peux réparer le bateau de là où vous êtes ou pas? Ouais, il est, je le répare. Hein. Après, il va falloir faire un demi-tour. Ah, j'ai perdu ma tombe. Non, là, j'ai récupéré ce qui restait dedans. Je crois qu'on l'a eu, non? Ouais, ouais, c'est bon. Et il reste la tienne, du coup, Arthur. Ouais. T'as ramassé la viande? Ouais. Parfait. Attends, je vais... C'est le bordel. Je vais aller chercher. Elle est là, mais je la vois d'ici. Elle est sous le rocher. C'est bon? Il y a un truc qui est parti. Ouais, c'est le... Il y a de la bouffe, là. Allez.
Ouais, je l'ai prise. Moi, je suis déjà plein. Remonte, ok, j'ai pas pu tout prendre d'un seul coup. Reste pas dans l'eau. J'essaye de remonter, je fais ce que je peux. On avance, il faut reculer. Merci, monsieur Spook. Je répare. Utilise le coffre du bateau. Est-ce qu'on a tout le monde? Est-ce qu'on a pu récupérer les restes du bateau? Est-ce non. Tu veux prendre ces mains? On n'a pas tout encore. Ouais, on a peut-être qu'une partie. Est-ce que vous avez l'essentiel? C'est pas très très grave. Non, attends, il manque une partie du staff d'Arthur. Oui, j'y arrive. Est-ce que je vais aller chercher? Comment ça m'a levé en Europe, franchement? Je ne vois pas où est ton stuff, hein. Je vois rien briller. Il est derrière. Moi je sais où il est, t'inquiète. Ok. YOLO. Oh mais le lag, l'infection. Ah putain, dégelé. Je vais mourir encore une fois. Pas encore. Vite. Ouais. C'est bon? Alors attends, est-ce que j'ai tout? Oui, j'ai tout. Oh putain. Alors vu l'orage, ouais, ça serait bien qu'on reparte dans l'autre sens. Oh quelle purge! Je vais parler pour info. Ça sent le demi-tour. Est-ce que tu as essayé de piloter ce truc? J'ose même pas imaginer. C'est le semi-remorque de la mer. Bon, ça va, on a de la marge en termes de solidité. Arthur, t'as besoin d'être dans... Ah, merci. Oui, pardon. Gaffe devant sur la droite. Reprendre du bois pour reconstruire les... On va tapisser la zone de... Alors, je l'ai fait très stupide, je vais couper une voile. Et ça prend de mer sur la gauche, allez. Je vais pas tomber, On va les semer. Oh, c'est bien. Mais ça triche là tellement. Un petit vautour qui arrive à se mettre à notre vitesse. Comme ça, sérieusement. Pister les portes. Mais c'est une plaisanterie. Bon, on je sais pas où il est. J'arrive pas à le toucher, moi je le vois derrière le bateau. Pas grave, on est arrivé. Attention, comité d'accueil. Il y a encore un vautour qui est littéralement dans le bateau. Attention, il a une étoile lui. Oh putain, non j'ai du lag là. Je sais, tout est frisé moi. Oula oui. C'est très dangereux. Jack. C'est très dangereux. Jack bouclier. Je ne suis pas là où tu crois que je suis. Ah, c'est ton bouclier, ma soeur. J'ai paré un truc sans faire exprès. Malfis bouclier. Merci. Pour le bateau, ceux qui ont des arcs ou princesses, s'il vous plaît. Oh, c'est calamiteux, hein. Sauvez bateau. Il y a un serpent de mer dans l'eau, si vous le voyez. Est-ce qu'il est vraiment là où on le voit? Je ne sais pas. Pour moi, je le vois figé, moi. Il a l'air d'avoir pris des dégâts, donc oui, il doit être là. Il a dû se trouver là, à un moment donné, de l'action. Ouais, il prend. Bon, on a besoin de sa viande, hein. je veux pas faire le mec chiant, mais... Petit bateau. C'est pas grave, le bateau, on a plus rien besoin maintenant. Il se prépare, il est... On peut remettre un établi ou deux. Ah, on s'en fout un peu du bateau? Ok. Bah ici, c'est facile à ramasser, ouais. Ne restez pas dans l'eau, hein. Ok, parce que ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Reviens par là, toi. Moi, c'est ça qui m'a one shot tout à l'heure. Ah, d'accord, c'est bon. C'est pas. J'avais réussi à peu près à atteindre un truc. Je peux pas ramasser les trucs dans le. J'ai tout. Il y a un poulet plus loin si tu veux. Mais je peux pas le ramasser. Moi, je vais aller poser. Aïe. Où est notre. Aïe, d'abord. Je vais aller poser. Le matos. Je vous propose de rentrer parce que. Voilà. Pour une fois que c'est calme. Est-ce qu'on a un coffre quelque part trophée. Ici oui. Moi... Oh, joli. À mon bœuf, ouais, mon bœuf est bientôt fini. Il faut que je mette. Parce qu'on était venu chercher. On est venu. Oh oui, la métal. Oh oui, ça je peux pas prendre. Hein. Je pense qu'il faut qu'on. Qu'est-ce qu'on fait? On récupère tout le stuff qu'il y avait dans le bateau. Ouais.
Je vais ramasser quelques trucs, moi, ici. Ok, je suis full, déjà. Le petit poulet, on peut pas le prendre, la tristesse. Ouais, c'est tout. Ok. Il faut retrouver les Molten Core, je sais pas où ils sont passés. Ils étaient dans ce coffre-là, hein, celui-là. Je pense que... Jack, tu les aurais pas pris quand... Oui, quand je les ai ramenés à la base. Tout est ramené dans les Jack-coffres de la base. Je les rapproche au fur et à mesure, en fait, à chaque passage. Je peux me filer un coup de pouce. Ouais, pardon. Hop. Je sais pas si quelqu'un peut m'aider. Attends, je suis là, Et du coup, ça veut dire qu'on a réussi à ramener les lingots de fer ou toujours pas? Non, toujours pas, oui, du tout. Non, c'est bon. C'est bon ramené. Yes, parfait. Ah bah, on va pouvoir crafter au petit jour, je propose, hein, au petit jour. Les copains. Attends, okay. On va en mettre. Merci. On va en mettre un ici déjà. Ah bah oui, pour voir la tête que ça a là, oui, oui, tout à fait. Non bon, on sait déjà la tête que ça a, mais juste au moins déjà pour qu'on puisse se servir de l'autre côté. Là je crois qu'il fait nuit, non? Ouais, il fait complètement nuit. Hein. Plus ou moins, ouais. Bon, en vrai, mais combien de temps on démarrait le serveur? Bah, je crois qu'il a le jeu à moitié du mal. Il n'est pas prévu pour du multi aussi nombreux, je pense. Ah, du déversement dans les jack-offs, ouais, ouais, c'est bien rempli. On a de la peau on va passer un certain temps à ranger tout ça. On va passer un certain temps à ranger tout ça. Non, moi je vais pas les ranger. Pour moi, c'est rangé là. Hein. On serait dans ma base, ça serait les coffres. Normal, les coffres rangés, ceux-là. Mais tu mettrais 10 fois plus de temps à crafter quoi que ce soit. Je mets déjà 10 fois plus de temps vu qu'on peut pas épingler. Donc je cherche. Je mettrais 20 fois plus de temps. Honnêtement, par rapport au temps perdu à chercher, au final je pense que je m'y retrouve. Hein. vous êtes revenu pour le roupillon ou pas? Pas encore. J'essaie de survivre. On franchit le roupillon. Et ce qui est bien avec le Ashland, je trouve, c'est qu'en fait, quand on a nettoyé la plage comme on a fait là, quand on reviendra demain matin, il faudra tout refaire. Ouais. Du coup, on a du loot, et ça, c'est bien. Ah ça, on va pas manquer de loot de mob. Quoique... Est-ce hein, que c'est vraiment le loot qui nous intéresse? Si, il y a la peau d'Asvin pour avoir qui est pas mal intéressante, je trouve. Ouais, mais ça fait partie des mobs rares, qui nous attaquent pas. Rare. La stratégie est excellente. La stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège. Oui, bah par rapport aux squelettes qui nous attaquent en boucle, c'est quand même... Ouais, mais les squelettes, ils lootent rien, eux. Oui, voilà, du coup, c'est un peu dommage, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est dommage qu'ils aient pas mis un truc sympa sur les squelettes, genre des potions de vie, un truc qu'on utilise beaucoup. D'ailleurs, tiens, à propos de ça, pendant que les autres arrivent, je vais aller en chercher. Je l'ai mis dans les jack-off. Ah, merci. Donc, on a eu un nouveau bâton, qui s'appelle le bâton de fracture. Ah, c'est pour soigner les jambes cassées, non? J'arrive, on va pouvoir passer la nuit. Alors il fait aussi des dégâts de feu, mais un tout petit peu, du coup je comprends pas trop. Bah faudra le tester, je vois que ça. Ouais. Je crois qu'on n'a pas encore assez. On n'a pas encore ce qu'il faut. On n'a pas assez de ressources. Ah je suis mouillé. J'ai pas entendu, tu disais, il fait quoi? Eh ben j'en sais rien. Il fait 12 de dégâts de feu. C'est peut-être là, un... Le bâton de feu fait 120. Ouais, mais peut-être qu'il est comme ton bâton de glace, tu vois, il est en mode mitraillette, parce que le bâton de glace de princesse, c'est un truc de dingue. Le bâton de givre, il fait 32 dégâts par petite boule. Ouais, mais... Ouais, ça se trouve, il fait une sorte de... Tu vois, ça se trouve, il fait, je sais pas, il fait un une laser. Zone de feu. Ouais. Une zone de feu qui fait du coup des dégâts en continu, tu vois. Ouais, ou une sorte de laser. Après, un laser de feu, c'est un peu con, hein. Bah, surtout pour un biome de feu. Il y a une question de monsieur Gustable qui nous demande: est-ce que le nombre de mobs est en fonction du nombre de joueurs? Non, c'est la vie des mobs. Un joueur, en fait, là pour nous, ils ont une fois et demi plus de vie que pour un joueur seul. En gros, ils ont 250% de points de vie, en gros. J'ai placé un portail de pierre dans la base. Ouais. On mourra de l'autre côté, on gagnera du temps. Oui. Et il tape plus fort aussi, mais je ne sais pas de combien. Mais le nombre. 150% de dégâts et de... Plus 150% de dégâts et plus 250% de vie. Ouais, c'est ça. Du coup, ils ont plus de vie et ils tapent plus fort.
Du coup on se fait one shot. C'est pour ça qu'on se fait one shot quand on rate nos parades. Ou pas loin quoi, ça dépend du mob et ça dépend des étoiles quoi. Et c'est ce qu'on proposait avant de démarrer le live avec Malphys pour que ça soit plus fun. Et en fait il faudrait que les mobs qui vous tuent gagnent une étoile. Vous voyez comme ça vous vous baladez dans le Ashland et vous voyez passer un squelette à 10 étoiles. Je hais cette idée. Hein je la... Si vous êtes, if you are developer, you have a great idea. If you want to dilate the anus of your player, don't hésite. Hein. Bon, je pense qu'ils ont déjà le... Oui, t'en fais pas. Ils ont le level, là. Ouais, on est bien, là. Hein. On est arrivé dans le Ashland, on a fait 4 mètres sur la plage en un live. Tout est bon. Tout est ok. Est-ce qu'on peut emmener l'espèce de générateur de bouclier contre la pluie? On peut, mais après. Ok, il faut 10 et 4. Ok, il va y avoir une pause. On a fait tout le ça pour ça, les gens. Le bateau est officiellement vide. Ok. Je répète. Ok, pour l'instant, les alentours, à part du vautour et un temps dégueulasse. Ah, il y a un flanc qui se ramène. J'entends du bruit. Non, c'est l'orage. C'est bon. Oh, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir d'avoir beau temps. Un des premiers trucs qui se ramènent, c'est le bouclier là, l'espèce de truc qui fait une grosse zone. Ouais, ça se trouve, ouais, ça empêche les. Si ça empêche les mobs d'approcher, ça serait quand même. Ça serait cohérent surtout. La réponse est non. Ah. Et je vois des blobs volants. Je répète ici, flying blob. Ah, on a perdu qui? Je ne sais pas. Malphys? Comptez-vous. On a perdu Malphys. C'est le BSOD. Non. Heureusement que c'est pas lui qui avait les lingots. Ouais, mais pourtant il est actuellement en flamme. Oh là là. Parce qu'il pleut des flammes. Ah. Comment ça il pleut des flammes tout... Sérieux? Réparer. Oui. Même sous le rocher, mais j'arrête pas. Mais quel enfer ce biome. On a un autre portail. Oh oui! Ça y est, il est posé! Bon, il marche comme les autres, j'imagine. Pas. Elle, très bon choix. Est-ce qu'il n'est pas solide? Il va pas se faire détruire. Mais déjà, on peut passer avec des métaux à travers. Ah putain, c'est bien. Ce qui veut dire qu'on peut ramener le générateur de bouclier. Oh vite! Bon moment. Et tu vas aller. Les minerais à fond aussi. Ça, tu penses que ça se met dans la forge normale? Enfin, normale. Je pense, on va voir. On va aller voir. Direct à la base. Ouais. Bon, parfait. Bah direction les forges, j'imagine. Je crois que monsieur Man est déjà parti là-bas, non. Le petit bâtard. Merde, ça marche pas. Oh, tu passes trop vite. Ah ouais, non mais j'ai la technique, hein, tu sais. Hein. Tout ça, c'est breveté. Hein. Ça va pas là-dedans. Mais c'est dans les grosses d'à côté, sinon on en a trois. On commence à en avoir beaucoup, des forges. C'est parti. Ça va dedans? Dans celle-ci? Ouais. Sérieux? Ouais, nickel, on en a combien? On en a 7. Je sais plus combien, on en a pas beaucoup. Hein. Il m'en reste un. Ouf. Plus qu'il en faut, on va stuffer tout le monde avec ça, c'est sûr. Bah, reviens, Jack, avec tes bombes et on va continuer d'en mener. Attends, je veux voir je ce que ça débloque. Il y a tous, comme ça on va pouvoir miner plus fort. Ouais. On y aille à plusieurs. Hein. Ouais. Mais vous poussez pas dans la lave. Ok, tu plastron de flamétal, jambière flamétal, robe des mbas. Croûte cendre, éventreuse, c'est des armes. Hein. Hache de berserkir, j'ai pas le temps de lire. Casse flamétal, massue de flamétal, oh. Une selle d'asgrin. Tout ça doit coûter très très cher. Pour fendeuse, oh là là, j'ai très peur. Je vais aller voir le prix, mais à mon avis, c'est cher. Lanterne de lave, coupe métal, rouleau à pâtisserie. Bon, ah bon? Oui, ça c'est pour faire la... Il y a un bélier. Putain, il y a un bélier. Ah bah c'est ça. Et la forteresse. Tu disais. Tu disais. Gangbang tout seul sur la plage. Moi. C'est qui est con. Mais tu peux pas attendre que tout le monde soit là. Non. Attendez, il y a un bélier. Ils m'ont pas vraiment demandé mon avis. Hein. Attendez, c'est un bélier genre comme la charrette. Derrière nous, il y a un chien. Écoute, le bélier, ça ressemble à. Oh le bélier. Regardez ça. Oh putain. Bon par contre il a un fourneau hein, donc Alors il faut 10 flammes métal pour l'utiliser. Ouais, mais je prends les 4 premiers déjà.
Ouais, on en a 4. On est bien, hein. Regardez ça, on est quasi à la fin, là. Hein. Pour la cuisine. Pour fendeuse. À 6 de flamme métal. Je regarde ce qu'on a d'autre. Nat, bouclier. Ouais, on est sur du 10, 15. Enfin bon, on est sur cher, quoi. Où veux-tu que je le pose, le flamme métal, du coup? Bon, faut le prendre dans un coffre. Au bout du fer. À côté de son brassier, là, quelque part là-haut. Je l'ai mis à droite dans le coffre de fer, vu qu'ils ont la même couleur. Allez, on va les aider. On va. Je vais regarder ce qu'on peut faire comme bouffe après. Ah oui. C'est de cuisiner tout ce qu'on a ramassé. Ah oui, c'est vrai. Ça va. Vous voulez pas manger du squelette? Ah, je crois que Malfeuille s'est revenu. Oui. Voilà. T'as rollback dans l'eau? Dis non. Dis non. J'ai croisé les doigts. Sur toi. J'étais assis sur la plage, c'était mignon. Yes. Bon, il y a plein de trucs. C'est normal pour ma vie, t'inquiète pas. Ouais, je sais que t'en consommes, mais là, fallait pas t'en prendre une. Ouais, j'avais mon bouclier, au pire, c'est le bouclier qui aurait pris, tu vois. Alors, où êtes-vous? Vous êtes par là. Ok. Alors, j'ai une nouvelle qui va être chiante. Ah! Quelque part dans sur certaines ruines, on trouve des espèces de raisins. Ouais. Oui. Donc c'est très chiant à trouver. Il en faut absolument toutes les recettes. Hein. Ah, c'est celui qu'il faut pour mon bâton aussi. Attends, du raisin. Oh, attention, il y a roule qui mousse là-bas. On le bute. Ça repousse. Oui, le raisin, ou c'est pas là où je suis mort. Je crois qu'on peut le planter, mais la fois que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Bouclier avant d'y aller. Oui. Ok. Amusez-vous. Merci. Et pour le reste, il faut se contrôler. Oh, il a pris tellement cher. Sur les bébêtes, là. Les fesses de chien. Oh, GG. C'est le GG. Il faudra aussi les fermer. Là, une couverture. Attention, il a un squelette. Il a une étoile, lui. Oh merde, j'ai plus l'endu. Ouais, est-ce que le truc qui devrait améliorer, c'est l'endu quand même, parce que ça. Princesse court. Je cours. Run away. Oh le bâtard. J'ai mon bouclier. Oh, il a le bouclier. Attention, princesse, il y a le. Avec l'épée. Oui, je sais. Mais je suis oubliée. Non, il faut pas que tu t'approches quand il y a lui. Arrêtez. Ils sont toujours au cag de toute façon. Ah oui, j'ai eu un raisin. J'ai deux raisins. C'est bien les poudres titre. De poudre. Non, ça ressemble, c'est du Vineberry Cluster. Tiens, il est incroyable, lui. Bah oui, mais t'as le titre en anglais, toi. S'il faut, c'est la même chose. Non, ça ressemble à du raisin. Je te confirme que c'est pas la même chose. C'est bon, bah tant mieux, alors. Ça, plus de poudre pour mon bâton. Du raisin sur les ruines, là, t'en as vu, ici? Tu aimes la poudre, princesse? C'est rare. Ouais. Bon, elle aime les raisins, elle aime la poudre, mais cette femme n'a aucun défaut. Tous deux ans maintenant. Bonsoir à tous. Merci Luzébu pour ton 18e mois. On a déjà une bouffe qui fait de la stam. Trop mal. Ouais, vu les, à mon avis, vu l'état des ruines, s'il reste des raisins là-dessus, c'est mort. Voilà où je suis. Regarde, c'est ça, torse-tête. On a déjà repioché ces machins-là. Normal de porter les planquets au niveau. Oui, c'est une technique. Ah, mais ça se ramasse pas, ça, tout à l'heure, j'avais vu, mais... Bon, ces œufs là, qu'est-ce qu'on peut en faire? Ouais, si on arrivait à voir ce que, à quoi ressemblait... on monte... venez avec moi vers la lave pour qu'on voit s'il n'y a pas un rocher à miner. Let's go. Oh, on va le miner tous ensemble. Attendez, si ça, c'est quoi, ça? Non, Jack, attention, ça pète. Si tu le frappes, ça pète. Mais ça fait quoi? Rocher de lave. Ça explose. Mais oui, mais on récupère du loot ou quoi? À moi. Voilà ce que ça fait. Trouver Bernard Minet. On voit rien. J'amène des poteaux. Yé. Yeah. Merci. On l'a eu. Attends, il est dans la lave, cherche pas. Ouais, on est dans la lave, vaut mieux le faire sortir. Ça marche bien de leur tourner autour, en fait. Oui, ouais, je sais ce que je fais, moi, ça marche mieux. Attention, on bloque dans votre dos. Attention, l'arbre dans votre dos. Okay.
Bâtard. Putain, on va se faire tuer par des arbres. Alors en même temps, c'est valable, mais ça coûte beaucoup, c'est assez... Classique. Retour en l'air. Retour, ouais. C'était une... Merci pour le bouclier. Celle-là on l'avait faite, du coup c'est plus loin qu'on aurait éventuellement du rocher de flamme. Là il y a un blob. Monsieur le blob. Princesse, t'as eu l'étoilé. D'accord. C'est quoi les flèches de lumière que je vois? C'est les mecs que j'ai eu. C'est bon, j'ai eu. Oh, le biome de Satan, quoi. Je vois un Malphys qui court partout. Il y a des trucs à ramasser. Ouais, mais je vois pas de rocher comme on a eu avec Princesse. Ça se trouve, c'est méga rare. Ah si, il y en a un là-bas. Mais il est méga loin. Ah, on a un Asquevin, si tu veux. Il faut. Ah, y a aussi le. Y a Princesse qui est en train de se soloter un bon mot là. Ouais, j'arrive. Bah ouais, je fais du jaune avec la glace. C'est bon, j'ai mon bouclier. Alors, ça, c'est pas une caverne qui a ras la flotte avec l'enfant. Chien, on l'a déjà fait. Ouais, on l'a déjà fait. Ouais. Chien, où ça? Attendez, je vais faire le chien. Trentane, il a dit qu'on en avait besoin. Ouais. Il est où? Après, leur description semble indiquer qu'on peut les apprivoiser. Ouais, mais pour l'instant, on va les tuer. Parce que si c'est pour que ça fasse comme les loups qu'on n'utilise jamais. Oui, mais les loups, on s'en fout, on a récupéré tellement de viande, mais eux, on a du mal à en avoir. C'est vrai. Je suis plein. C'est un truc de fou ce biome. Hein. Quand vous repasserez la cuisine, il y aura quelques stuff un peu mieux. Non, c'est des plumes. Alors hélas, il y a une espèce de légume, fruit, je ne sais pas, en forme hérétique, c'est-à-dire spiralée. On en a besoin aussi. Ça a l'air de repousser dans le... Oh. Dans les ruines, on en trouve. Oui, ça repousse. Viens ici, mon petit pépère. Viens là. Il y a ton pote. Vous avez. Ouais, un banquier plein aussi. Alors, on va voir comment on va finir par là. Vous pouvez vider sur moi si vous voulez. Genre les os. Au secours. Oui. A l'aide, il y a un roule qui mousse. Oula, il y a un Morgan, attention. Il est là, Princesse, casse-toi. Merci beaucoup, tu m'as sauvé les miches. Oh le bâtard. C'est quoi la boule là? Ah oui, d'accord, ok. Brûle-le. En fait, ça dérange pas que ça soit entre guillemets si difficile si on avait de l'endure en fait. Ouais. En fait. Le problème, généralement, ce qui nous tue, c'est pas vraiment prendre super cher, c'est généralement qu'on a plus d'endure quoi. Ouais, on a gros plein de trucs et dans la lave, ça n'arrête plus. Monsieur le squelette, ça suffit. Génial. Il s'est barré, non, cherchez pas, il reviendra pas. Mieux, on ouais. Veut pas de lui. Alors, j'ai vu un rocher, mais il est vraiment loin dans la lave. T'as pu récupérer, Nat, c'est bon? C'est bon. Ok. Il y a toujours le silver. Ouais, mais on peut le ramener, lui. Oui, ça y est, on l'a eu. C'est utile parce qu'on a quand même pas des masses. Bah, le problème, c'est que. En fait, il faudrait qu'on passe éventuellement de l'autre côté de cette grosse montagne là. Non, on peut. Moi je rentre. Je rentre le loot hein, pour le moment. Okay. On peut finir là-dessus parce qu'il reste 15 minutes. Ouais. On rentre au portail.
Et on essaie de se faire un... À mon avis, on a un comité d'accueil, on va essayer de se faire un item en arrivant. C'est toujours ça de prix. Maintenant qu'on a un portail où on peut tout épée, autant en profiter. Princesse, t'as des soucis? C'est Arthur qui a encore aggro des mobs. Évidemment. Naturellement, c'est ma faute. Hein. Évidemment que c'est ta faute. Bon, on a pas mal de nouvelles bouffes, mais on n'a pas de quoi en faire des quantités. Oh, il y a des champignons. Mais un mob, et voilà. Et Jack est parti au champignon. Oui, mais là, il y a un champi, là. Faut les prendre, ces trucs-là, c'est méga rare. Je ne fais que passer, barrons-nous. Attention, il y a un flanc. Ouais, il faut le... Non, non, laisse l'exploser, princesse. T'es des dégâts jaunes dessus. Il a mis quand tu le tues, il explose. Je crois sur le plus qu'il n'y a pas des bouts différents qui explosent. Quand tu le tues, il explose. Enfin, si t'arrives à. Grave pratique pour farmer les grispières. Ouais. Ouais, mais alors disons qu'il faut être sacrément timing, hein, c'est-à-dire qu'il faut réussir à faire péter le blob au bon endroit, quoi. Bah, si t'as Yaglut, ça passe tout seul. Tu le colles contre lui, il explose de toute façon. Technique Dark Souls, ouais, il faut tourner autour. Hein. Attendez, parce qu'il va nous suivre. Ah, oh, il y en a un autre là. Merci. Merci, princesse. Vous êtes pas aggro ? Enfin, notre survie est décuplée avec tes boucliers. Vous rentrez à la base du coup, Georges ? J'essaye. Non, on essaie, on est en train de rentrer là. On essaie. Je nettoie là-bas. Tour du portail. Oh le chaos. Par contre, l'ambiance ça, elle est belle, hein. C'est ça le raisin, d'accord. Ah, vas-y, voilà, montre. Torse-tête. Nice. C'est où? On en voit là? Non, c'est pas ça, c'est encore un autre truc. C'est encore un autre truc? Oui. Oh merde. Il y a un Malfis là-bas. Ouais. Il y en avait par là, tiens, si tu veux venir. Ah, il y a un blob qui arrive. Je sais pas s'il a repoussé, mais je sais qu'il y en avait. Il y en avait aussi, effectivement. J'ignore si ça. Bon, il y a des pièces dans. Voilà. C'est bon, on n'est pas suivi. On peut passer dans le portail. On n'est pas suivi. Et oui. Mettre de la même façon sur un mur. Ah non, ça part hip hop. Est-ce qu'ils ont été détruits? Non, non, il y a toujours le buisson. On a été beaucoup plus loin cette fois quand même, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, ben, quand on n'est pas... On a fait 100 mètres sur la plage. Bang bang, ça va. Ouais, il y en a en bas là, il y en a deux. Ah. Peut-être que ça a repoussé. Bah ça a repoussé à l'instant parce que sur celui-là là. Ils étaient tout en bas, vraiment contre le sol. Ah. T'as commencé à faire les rangements des coffres, monsieur Mann? Non. Parce qu'on manque peut-être de coffres, non? Oui, du coup, comme il faut faire ça bien... Il y a 50 ressources différentes. Ça. On va mettre ça dans les jacoffes du centre. J'ai combien de ressources à ce qu'on fait? Ouais, c'est bugué. Mais prenez le portail en pierre, hein. Je sais pas où t'es passé, mais... Ah, le bâton, on demande, princesse, ça fait quoi du coup le nouveau bâton? Il y a des questions apparemment sur le nouveau bâton. Ben j'en ai aucune idée. On sait juste qu'il a des tout petits dégâts de feu comparativement aux autres bâtons, donc il a forcément une particularité, genre moi je pensais à mitraillette et Arthur pensait à un rayon laser, je crois. Oh, Crampman, tu l'as fait. Quoi? Le bâton, tu l'as fait. Ah oui, c'est possible. Vas-y, faut le tester. Tire sur un truc, princesse. Mais il le dit pas. On avait trouvé déjà la poustite. On l'avait trouvé. Oui. Oui, on a eu de là. C'est vrai? Oui. Ah merde. Non, c'est foutu. Attendez, au niveau des capteurs. Ah. Montre le raisin. Monsieur Mann va te donner un bâton, tu vas pouvoir jouer avec. Oui, il est parti près du feu parce que le perso il jette ça au pif. Oui, il y avait un beau titre là. Ouais, j'admire votre tenue, c'est incroyable, hein. Je l'ai pas. Je l'ai repris. Ok. Je le mettrais bien dans un coffre, mais ça plante. Hop. Moi j'ai envie de voir comment ça tire. J'ai rien du tout. Et il est par terre, il est devant toi. Bah attends, il va finir par apparaître. Ouais, c'est Sourine qui a craqué.
Je suis pas surpris, hein. Mais... c'était fou. Le bâton est perdu? Non, non, c'est le raisin que voulait montrer Crampman. Oh putain. Mais il l'a posé au sol. Crampman te montre ses raisins. Moi, je suis de mieux en mieux. Je suis debout sur le frein, là, moi. Je vais le mettre dans un coffre aussi. Qu'ils ne seront pas, tout va bien. Voilà, dans le deuxième coffre loot. Deuxième coffre loot. Oh! Résine de charbon, d'accord. Non, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça? Debout sur le frein, quoi? Mais elle sourine, calme-toi! Il est tout en haut à droite. Graphe de baie de lierre. Oh! Nice! Bah, super! Super, super! Plein de nouvelles recettes. C'est alors, bon. Vas-y, tire avec! J'ai envie de voir ce que ça fait, vas-y, balance ta mitraillette! Oh, si ça fait un bruit d'AK! Attends, déjà bien qu'on sûr, le voit. Ça ici. Non, mais elle va tirer vers la mer. Oui. Oula. Ah, ça rebondit, non? Ça fait pas d'effet d'artifice? Tire pas dans l'eau, tire sur du le shrapnel. Sol. Oh, c'est du shrapnel! Oh là 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 là, c'est festif! Ça fait du dégât à tout, merci d'arrêter immédiatement. Oh, vas-y, vite, détruis quelque chose, princesse, vite! Détruis quelque chose. Le rocher là. Ça fait zéro au rocher. Oh, c'est sur les mobs sinon? Vous voulez pas essayer d'aller miner ce minerai? Non, non, mais on va pas oui, y aller tout de suite parce que. Moins ouais, 8, ouais, il y a encore moyen d'aller taper des mobs. Ouais, non, mais c'est surtout qu'il fait nuit donc si on va arriver là-bas, ça va être Woodstock. Ben, on dort et puis c'est bon. Bah voilà, le dernier barou d'honneur avant le. Ah non, on va mettre 10 minutes à ressortir du truc, c'est sûr. Minimum. Oh si, 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 c'est garanti. Hein. Oh, par contre, on peut passer avec les minerais, mais ça, c'est incroyable ça. J'ai embarqué Malphys. On te dote là? Ouais, bon, bah, c'est de toute façon, on va s'arrêter là-dessus. Hein. J'ai un trophée d'archer par contre. Je sais pas si on en avait déjà un. Ok. Je crois, si, oui. Oui, on en a plein des trophées d'archer. Archer squelettique? Oui. Ça a l'air d'être un short en fait. C'est un pantalon? Je crois que c'est un pantalon d'archer squelettique. Qui m'a fait? C'est un morceau en tout cas, ouais. Allez, Jack, au dodo, princesse. Bon, oh bah, je vais le mettre là, tiens. Mais non, c'est celui-là qui va ici. Pourquoi il va ici? Mais non, ça va parce pas du tout, face, ça. En face, c'est le même, donc c'est symétrique. Mais non, regarde, je préfère celui-là, moi. Je préfère mettre les pieds de... Mais tu es en train de détruire ma vision. Surtout que j'avais pas inversé les bannières aujourd'hui, tu vois, j'ai été très sobre. Bon, c'est juste que j'ai pas eu le temps, parce qu'on a fini super tard de manger, mais... En plus, t'étais connecté, parce que justement, maintenant, tu surveilles. Mais c'est horrible les gens, hein. Vous savez que Monsieur Eman se connecte plusieurs minutes avant le début du live pour vérifier que rien n'a été déplacé. Je vois pas d'où il sort cette histoire. Hein. Sachez que c'est faux, évidemment. Tu fais ça bien une heure avant. Eh ben YouTube, on va te laisser là-dessus. Au revoir YouTube. On a quand même mieux avancé que la dernière fois, je trouve. Et ça fait plaisir. Donc à la prochaine YouTube. On a avancé déjà. Oui, oui. Et en plus, on a un nouveau portail et on a trouvé le nouveau minerai. Donc pour l'instant, ça progresse bien. Bisous YouTube, à la prochaine. Au revoir YouTube. Salut YouTube.